كبرت وعيني على الكرة. في الأول كتجي شوية صعيبة، بنت كتلعب بوسط من الدراري باسكو الدراري هما اللي كيلعبوا الكرة. Aujourd'hui, on est en 2022. Une fille, si elle veut faire du foot, il faut qu'elle fonce. In the women's game, you do see a lot of raw and pure emotions and talent. Le Maroc, ça a été une terre de foot pour les masculins, ça doit devenir une terre de foot pour les féminines. Et on enchaîne. Allez. وانا نجي ولا انا وانت واه درت معاها كنشد لها سناء مسودي جوز ديال لي فار و ديال ليكيب ناسيونال البوز ديالي في لي فار اتاكونت وحتى هنا اتاكونت اكسونتري بما ان البلوبار ديال البنات الفريق الوطني جايين من المغرب وسيرتو من لي فار غادي يكون انسجام كبير اما لي زوتر في اللي جايين من برا فهذا جروب ديالهم وهذه دارنا كاملين وكنحاولوا نهضروا معاهم بلي لونغ اللي هما جايين بهم سواء الفرنسي سواء الانجلي سواء الاسبانيول كنحاولوا نتادابتاو معاهم ونوصلوا لهم لافورماسيون شكرا My name's Giselle Ariane and I currently play for Tottenham Hotspur Women in the Women's Super League in England. I'm a striker and I also play striker for the Moroccan Women's National Team. This one? Nothing, anyway. Living with a lot of girls that are from different cultures, different backgrounds on the team, it's a new experience for everyone and I think for me especially, I can't speak French, I can't speak Arabic. I'm trying to pick up on small things when I can, but on the pitch, the football does the talking and that's the main thing, but it's a very interesting place to be with so many different personalities and cultures and languages. Mzien. Kora. Kora, it's a ball. It's a ball. Yeah. Gouli kelma okhra. Don't make me say anything bad. Je m'appelle Salma Mani, j'ai 32 ans et je joue milieu offensif au club de Saint-Malo en France et milieu offensif aussi avec la sélection nationale marocaine. Ça tape sur tous les trucs, hein. Ah, c'est 10, hein, c'est pas 50. C'est une équipe qui vit très bien, beaucoup de bonne humeur. Quand il faut, beaucoup de sérieux aussi quand il faut sur le terrain. Il y a certaines filles que je connais depuis pas mal d'années. On se considère comme des sœurs, on est là depuis des années ensemble, dans le même objectif. Et on discute beaucoup, on rigole beaucoup. Après, il y a le moment de travailler aussi. Et ça se ressent aussi sur le terrain, quand un groupe vit bien, sur le terrain ça se ressent aussi. Donc je me sens bien dans ce groupe. عندنا العشاء العشاء مع 12 قلت لك اختي يلا جينا اختي يلا يلا بلان allez blanc au milieu bien voilà encore à un moment donné vous avez bougé
ميزلان شباك لاعبة الجيش الملكي الكابتن ديكيب ناسيونال ميليتير عندنا بزاف ديال لي كونسونطراسيون مع بعضياتنا راه حنا مجموعين من شحال هادي وديما تندخلوا ديما عندنا لي ماتش اميكال دونك هذا الوقت هذا كيخلي الانسجام تيتطور ما بين اللاعبات Je suis Men Saoud, je joue FC Bâle en tant que milieu gauche et je suis en équipe nationale A avec le Maroc. J'ai commencé à regarder le foot avec mon père à la télé et j'ai tout de suite été passionnée parce que lui c'est un grand passionné. Ça s'est tout de suite diffusé entre nous, ça a été on va dire notre point de cohésion. Et après il m'a inscrit, j'ai essayé et ça m'a énormément plu et depuis je suis ici. الأب ديالي معروف على الصعيد الوطني هو يعني من الناس اللي حقوا كاس افريقيا عام 1979 تذكرني ماما بواحد الظريفه كانت واحد النهار دخلت للدار وكنت لابسه حوايج الكره وهي بدات تتغوج عليا ويقول لها غادي تخليها ترونكيل حقاش هذه هي اللي ان شاء الله غادي تحيي الاسم ديالي في الكره وهذه الكلمه هذه بقات دائما كتعاود ليا ودائما هي اللي كتموتيفيني باش ان شاء الله نبقى دائما نلعب الكره ونشرف الاب ديالي اللي يعني للاسف هو ما معناش اليوم وكندعي معاه بالرحمه وكنتمنى انني يعني نوصل داكشي اللي كان دائما بغاني نشوفه يشوفني واصله ليه My story with football is pretty crazy, really. I grew up just playing out in the park and nothing too serious. And my local team, they picked me up at the age of 8. So I started training regularly with a girls team in my hometown in Reading. I was quite fortunate that there was a lot of girls in my academy and my teams. I know in other parts of the world, we're not as fortunate as, for example, my hometown, and you have to play for a boys team if you want to play football, which personally, I don't think it's good enough. Je m'appelle Samia Fikri, je joue au Montauban Football Club en division 2 en France et j'occupe le poste de milieu droit ou milieu gauche parfois en club et latéral en sélection. J'ai commencé le foot dehors, dans la rue, avec mes frères, enfin mon frère et ses copains. J'étais un peu un garçon manqué, je passais mon temps dehors. Et dans le quartier, il y avait vécu un stade de foot ou des jeux, la Marelle, mais j'ai préféré choisir le foot. Dernière, top. Fille, c'est vous qui avez gagné. اول مره دخلت لشي نادي كانت عندي 5 سنين 6 سنين كان نادي عادي ماشي زعما شي واحد اللي معروف ما فامي ما كانتش قابله بيان سيغ سيغتو ماما الوغ كو بابا كان كيشجعني بزاف هو اللي كان كيديني وكيجيبني وكيوريني بزاف ديال الحوايج على الوف Ce que j'ai ressenti pour ma première sélection en 2012 par l'équipe nationale du Maroc, c'était une grande fierté, un grand honneur, aussi pour ma famille, parce que quand je l'ai appris, je les ai appelés de suite. J'ai senti à leur voix que c'était une grande fierté pour eux. Et du coup, ça m'a donné encore plus envie de venir défendre les couleurs de mon pays. C'est toujours une grande fierté de porter les couleurs du Maroc.
اول مره غيعيط لي الفريق الوطني ا كنت كنتريني مع يوفا حيت كنا كنبريباريو حتى حنا الاوبجيكتيف ديالنا وعيطوا لي في وسط الستاج قالوا لي بلي انفو غتسالي الستاج غادي تطلعي معنا لو ا ما غاديش تخرجي وفوالا فرحت بزاف بيان سور Quand j'ai eu en 2021 Reynald Pedros qui m'appelle pour me dire ouais on est intéressé pour que tu viennes jouer en équipe nationale marocaine, c'était une fierté. Après la sélection ça donne envie, surtout à 19 ans quand on t'appelle pour te dire oui on est intéressé pour l'équipe une. Moi je pense que là je suis en train de réaliser un truc que j'aurais jamais pensé réussir. Il faut que le ballon aille directement dans le but, il n'a pas le droit de toucher le sol entre la planche et le but. J'ai été appelée en équipe nationale marocaine pour la première fois en novembre 2021. C'est vrai que j'avais fait quelques démarches auprès d'un Moustapha Moussaïf qui intervient beaucoup en France pour le foot féminin marocain. Je ne m'y attendais pas aussi vite et surtout pas en équipe A, mais c'est toujours une fierté et un honneur de représenter son pays. My dad is Moroccan, so it's very special for me to play for this team and be here in Morocco and be putting on the jersey for my family, of course my dad, but also my mum. She's very proud. She's Scottish. She wanted me to play for Scotland, but no, I chose Morocco. With the African Cup of Nations coming up this summer, I think it's a very, very exciting time to be playing football here in Morocco. So yeah, it was a good choice. Pied droit, ça veut dire que si ça s'allume vert, je touche main gauche et pied gauche. Rouge, main droite, pied droit. Ok, là. Sabasigir. Je joue à la Sampdoria en Italie en tant que milieu de terrain et aussi en équipe nationale du Maroc aussi en tant que milieu de terrain. Là, ça chambre un peu là quand même. Ok, good job. Dans l'équipe nationale du Maroc, on vient toutes de championnats différents. Donc forcément, c'est des styles de jeu totalement différents les uns des autres. Et on essaye justement avec le staff qu'il y a une ligne directrice de justement tout être dans cette ligne. Encore une fois, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment à titre créatif. Le Maroc, c'est l'identité technique, c'est des joueuses qui aiment le ballon, qui aiment jouer au ballon. Mais il n'y a pas que ça. Donc il a fallu travailler aussi différemment pour pouvoir avoir une identité globale et apporter une dimension athlétique. Ça fait 15 ans que je joue en France, en première division. Alors la différence entre le foot en France et le foot au Maroc, sur le terrain, il n'y a pas de réelle différence. C'est surtout dans ce qui est infrastructure, développement du foot féminin, des écoles de foot. Parce qu'aujourd'hui, en France, les jeunes filles sont formées très jeunes. اللي ناقص في كره القدم النسويه الاحترافيه في هذا الوقت هذا هو المنافسه في البطوله حيتاش المنافسه هي اللي غادي تخلي النيفو يطلع ديال كاع اللعابات ولا طلع النيفو ديال اللعابات دونك غادي نقدروا نوصلوا للمنتخب يعني طالع المستوى ديالو Thank you.
L'équipe marocaine se situe au niveau africain derrière encore des nations comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, voilà, qui sont des nations très fortes du foot féminin africain. L'objectif, c'est de concurrencer ces pays-là. C'est la dernière ligne droite pour la CAN, du coup on est toutes concentrées et prêtes, surtout qu'elle se fait au Maroc cette année, ça veut dire qu'on est le pays qui accueille, donc on est obligé de la gagner, on va dire c'est chez nous, on a tout pour réussir. L'aspect physique est très dominant. Les filles en face de nous ne s'arrêtent jamais de courir. Donc par rapport à ça, forcément, on doit être prête. Et je pense qu'avoir le ballon contre certaines équipes africaines, c'est un avantage, étant donné que si elles ont le ballon, ça va très très vite au niveau offensif. حد لا كان كتقرب وحنا كنخدموا يعني بواحد الجديه وكنخدموا بواحد الطريقه احترافيه وحنا يعني مآمنين بداكشي اللي عندنا وكنتمنوا اننا ان شاء الله نحققوا هذه اللقب هذه اللي ماشي صعيبه وماشي مستحيله. Of course, with the African Cup of Nations being in Morocco this summer, it's one that every player is looking forward to, every staff member is looking forward to, and preparing for tournament football mentally and physically, a lot of people do it in different ways. For myself, it's keeping calm off the pitch, and then on the pitch, of course, putting in the hard work and in the gym, making sure that I'm in the right shape to be as quick as I can, as strong as I can, and putting myself in the best position to be able to perform. Amazing. This place is beautiful. Very good. Very good, very c'est, nice. C'est très Ma bien. Dima Marocco. La Dima Marocco. Dima Marocco. Hey, tu dois marquer, toi. Non, ah, tu te marques. Bien joué, Tibeda. Bien joué. Bien joué. Hein, toi aussi. Chérie, moi je te marque. Allez, qu'est-ce que j'ai envie? Je vais me mettre en ديما مغرب ديما مغرب ماتش كان مزيان هذا ماتش ديالنا باش نديرو البريباراسيون ديالنا لاكان كنتمنى نكونو درنا ماتش مزيان وحققنا كاع داكشي اللي بغينا دونك حاولنا نابليكيو كاع داك لي كونسيل اللي كانوا كيعطيونا لي كوتش وان شاء الله باقينا ماتش اخر اميكال كونتر غانا كنتمنوا اننا نكونوا احسن من هكا ونزيدو نبريباريو باش ان شاء الله نكونوا في لاكان واجدين. بغي نقول للجماهير المغربيه بلي حنا محتاجينهم في هذا الوقت وبالضبط في اول ماتش دوفيرتور لينا في المغرب. On gagne et ce sera bien déjà.
J'aimerais dire au public qu'on soit aussi soutenu que les garçons, parce qu'on le mérite aussi, qu'on soit des filles ou des garçons, on représente le Maroc, donc c'est important de nous soutenir. I want to win the African Cup of Nations, and you know, we have a World Cup qualifier at stake, and I want Morocco to be at the World Cup in Australia in 2023. I'm really looking forward to seeing the Moroccan people in the stadiums this summer, and I just want to say thank you and keep on supporting us, and I hope that we can do you proud this summer. لاندي دنح ان شاء الله نربح لكان 2022. كان عندنا في المغرب فاحنا خصنا نتعاونوا عليها كاملنا باش ما تخرجش من المغرب، لا من الناحيه ديالنا حنا كلاعبات اللي غادي نعطيو المجهود ديالنا 100% وما غاديش نبخلوا حتى شي حاجه، مي محتاجين بزاف للدعم ديال الجمهور اللي كنتمناوه يساندنا في هاد لاكان هادي. Pour cette canne, il faut que le public soit la deuxième joueuse et qu'elle pousse cette équipe nationale, qu'elle encourage cette équipe nationale. Et je pense qu'on est capable de faire, avec l'appui du public, faire de grandes choses. Mais venez voir, venez voir, venez vous intéresser au foot féminin marocain, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Great work! Dima Mgharib! My family, they watch. Wait till the summer. That's when the real show begins. Non, ça fait énormément plaisir, vraiment. Dima Mgharib! C'est un très bon match. Merci, merci. Bien joué. Merci. Et
Men Saoud. Vas-y, vas-y. On est sur le débat. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, 100%. تلاقوا مرة جزيلة إن شاء الله لبغى الله أروفار غنتوحشوكم أخوتي وتعالوا فراسكم تنتوما وغنتلاقوا في لاكان وغندوزوا أوقات حناني ونزوينين معاكم وتهلاوا لي في رياسكم تنتوما تلاقوا في لاكان ضروري إن شاء الله علي الله يعاونكم تلاقوا في لاكان